Hi, tu es si matinal aujourd'hui? Où vas-tu très élégant comme ça? Ah oui maman, j'ai oublié de te dire hier soir. C'est aujourd'hui que je dois aller voir si j'ai été admis là où j'ai fait le test pour l'emploi. Ah oui justement, alors à toi mon fiston. Dieu soit avec toi. À plus tard. À plus tard maman, bye. Oh là là, quel chaud soleil très tôt comme ça. Mais bon, en avant Henri, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Ah s'il m'arrivait de trouver ce travail, il sera vraiment temps de mettre en place mes projets. Ce test d'admission n'était pas si compliqué. Je l'avais bien fait. Là, voyons alors si je serais admis. Bonjour à tous. Merci d'avoir fait confiance à notre entreprise. Pour cela, vous y avez passé notre concours d'admission. On aimerait bien vous admettre tous, mais vu les potentialités que nous avons retrouvées dans vos documents, nous appellerons au moment opportun ceux qui sont susceptibles pour ce poste. Alors merci encore d'être venu et je vous souhaite encore bonne chance pour la suite, en espérant que dans l'avenir nous puissions avoir une place disponible pour chacun. Ah vraiment, ce sont toujours les mêmes. Pour retenir les gens, c'est difficile. Ils nous ont fait perdre notre temps. Ah, c'est compliqué vraiment, mais bon, tant que l'on vit, il y a encore de l'espoir. Laisse parler de ça, jusqu'à quand il faut entendre, et parce qu'on attend qui? J'en ai vraiment marre, moi, avec toutes ces choses comme ça. C'est pas juste. Ah oui, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Mais ma sœur, tu sais, on n'a pas été admis ici, cela ne veut pas dire que nécessairement on devait l'être. On a posé notre candidature mais ça n'a pas été comme nous le souhaitions, maintenant cherchons ailleurs. À toi tu as toujours de discours, voyons là où ça t'amènera. Bon, on y est, on se sépare par ici. Rappelle-toi toujours donc que c'est le poste d'ici qu'on vient de manquer donc notre place se trouve ailleurs, alors il faut toujours la chercher. Bon disons-le comme ça. Sinon alors au revoir, ça a été un plaisir. Seul Dieu connaît ton avenir, laisse-le te diriger. Bye. Ouf, encore un fiasco aujourd'hui, mais bon, je ne me découragerai pas, tant que l'on n'a pas encore trouvé, il faut continuer de chercher. Ça c'est mon maître mot. Ah maman, t'es encore debout maintenant. Si, la nuit porte conseil non, dit-on. Sinon pendant qu'on y est. Comment évoluent tes démarches? Ah jusque là, il n'y a toujours pas de suite favorable. Ah bon, c'est alors? Ah oui, c'est ça, j'ai déposé mes demandes d'emploi à plus ou moins 10 entreprises mais jusque là silence de mort. Fiston, ne perds pas espoir. Toi tu fais ce que tu dois faire. Tu sais, dans la vie nous ne devons toujours pas chercher à ce que les choses aillent selon toujours nos plans. Parce que comme ça nous oublions que c'est Dieu qui nous a donné cette vie et que nous devons toujours l'associer à tout ce que nous faisons. Ah oui justement maman, c'est cela. Mon fiston, mets Dieu au centre de tes projets et tu verras qu'avec lui on obtient toujours ce que l'on désire selon sa volonté. Mon fils Henri, cherche. Et cherche toujours encore tant que brille ta flamme. Dieu agit en son temps. Oui oui maman, avec tous les tours que j'ai déjà effectués, j'ai compris aussi que vraiment parfois nous cherchons là où il n'y a pas notre trésor, c'est pourquoi on ne trouve pas. Oui, c'est comme si Dieu nous donne déjà le vent. Mais c'est à nous de hisser le drapeau pour le fixer là où il faut. Pour te dire que Dieu t'a donné déjà tout ce qu'il faut pour travailler, à toi avec son appui il faut aller là où il y a ta place. Et n'oublie surtout pas de confier tes démarches entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Car ceux qui comptent sur lui, ils renouvellent toujours leurs forces. Ils courent sans s'épuiser et marchent sans se fatiguer. Merci beaucoup maman, maintenant moi je pars dormir déjà, bon sommeil à demain. Dieu veille sur toi mon trésor. Mais voyons, ce visage me semble familier. Bonjour monsieur, excusez-moi pour le dérangement. Sans problème, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous ai vu de loin mais sûrement votre visage me dit quelque chose.
Ah oui, monsieur Ruben, c'est vous, oui, de la Société de l'épargne et du crédit. Justement. Ça serait alors là où on s'est vu. Mais maintenant je ne suis plus là. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Je peux vous offrir un café et nous pouvons discuter un moment. Sans problème aucun. Alors monsieur Henry, comme je disais, je ne suis plus à la société de l'autre fois. Maintenant j'ai créé ma propre entreprise. Et je suis justement en train de recruter encore. Je me rappelle de vos documents de l'autre fois. Est-ce que ça vous dirait de me rejoindre? Ah oui, ça tombe bien parce que depuis lors je suis encore à la recherche, je ne me suis pas encore stabilisé. Déjà merci beaucoup monsieur Ruben, et je suis vraiment partant. D'accord, content de l'attendre. Alors je vous enverrai toutes les coordonnées et on se retrouve demain au siège. Ça vous va? D'accord. Alors je ne peux que te souhaiter bienvenue à bord mon cher ami. Merci infiniment encore, au revoir alors, à demain. Maman, maman, où es-tu? Tu ne vas pas imaginer celui que je viens de rencontrer maintenant. Ah bon, c'est qui alors? Allons-y d'abord nous asseoir. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend si joyeux comme ça? Maman, tu ne vas pas y croire. J'ai rencontré le directeur de l'entreprise là où j'avais fait le test l'an dernier et maintenant il m'a proposé de travailler avec lui dans sa nouvelle entreprise. Oh mon Dieu, je le savais. Celui qui met son espoir en toi n'a jamais le cœur brisé. Béni sois-tu à jamais. Alors Henri, raconte-moi. La joie que je ressens vraiment maintenant est plus que les souffrances que j'ai traversées en cherchant du travail. Oui oui, l'espérance en Dieu nous fait aboutir toujours à une joie parfaite. Vraiment merci beaucoup maman d'être toujours là pour moi. Maintenant je pars mettre d'abord en place tout ce qu'il me faut pour demain. Il faut que je mette tout en ordre avant la soirée. D'accord mon trésor et félicitations à toi. Merci maman, à plus. Bienvenue à tous à cette réunion extraordinaire, avant de commencer cette journée. Le but est de vous présenter notre nouveau personnel. Notre nouveau directeur de marketing, Monsieur Henry. Nous saisissons également de cette même occasion, pour lui souhaiter bienvenue dans notre entreprise. Monsieur Henry, voici vos collaborateurs, et à tous je demande toujours une bonne collaboration pour les biens de nos clients et le développement de notre entreprise. Merci beaucoup à vous tous et bon travail. Faire ce jeune homme. Ne faites pas ça monsieur, je t'en prie. S'il te plaît. Ne me dis pas ça, je veux tout en finir. Ma vie n'a plus de sens, laisse-moi me jeter comme ça tout fini et je n'aurai plus des tourments. Je n'en peux plus moi. Non non, je ne peux pas te laisser faire. Laisse-moi en finir, j'ai perdu tout ce que j'avais de précieux et maintenant je ne vaux rien. Non ne dis pas ça. C'est juste un moment désespéré que tu traverses. Et ne laisse pas toute ta vie engloutie à cause de ce désastre qui te déchire maintenant. Non non, ma vie n'a plus d'importance. Bien sûr que si mon frère, elle est toujours si précieuse à celui qui te l'a donnée et il a toujours une mission pour toi sur cette terre. Non pour moi il n'y en a plus. Regarde cher ami, éloigne de toi cette illusion de penser que Dieu ne peut pas te sauver du désastre. Mon frère, quel amour pouvons-nous comparer avec celui que Dieu a pour nous? Il nous a donné même son Fils unique, qui a donné sa vie pour nous racheter. Mon cher ami, regarde comme il est merveilleux notre Dieu, et lui seul peut te redonner encore cette joie de vivre, le courage et l'ardeur de continuer. Même quand tout semble perdu. Je sais ça oui, mais moi je ne vois plus d'autres possibilités pour moi. Je suis au bout, je n'en peux plus. Non mon ami. Ça c'est tomber dans l'illusion, qui te jette dans le mensonge de penser que Dieu n'est pas tout puissant. Et plus tu te laisses entraîner par ça, tu t'engloutis davantage et tu perds le goût de tout. C'est difficile tout ça. J'ai beaucoup souffert et je ne continuerai qu'à souffrir. Écoute mon ami, détruis en toi le pouvoir que tu as déjà donné à ces voix intérieures, qui te disent que Dieu n'est pas présent dans tes souffrances.
et laisse le Saint-Esprit de ton Créateur s'animer en toi. Car te laissant guider ainsi, tu verras que tout n'est jamais fini, et que Dieu rectifie ce qui est tordu et rend bien ce qui est déjà mal. Et justement donne la joie de vivre à ceux qui l'ont déjà perdu. Et tout ce qui est obscur pour toi, mon ami, sera lumière. Et vraiment tout pour moi n'est que obscurité. Que dois-je faire alors? Avant tout, sors de là et viens doucement vers moi. Ok, c'est bien, donne-moi la main maintenant. Et puis allons-y chez moi, je t'offre quelque chose, comme ça nous en discuterons davantage. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ça me va. Bienvenue, prends place, je t'en prie. Sens-toi à l'aise. Je rends grâce vraiment à Dieu de t'avoir tiré de là. Vu les circonstances, nous ne nous sommes même pas présentés. Sinon moi c'est Emmanuel et toi? Moi je suis Jonathan. C'est un plaisir de t'avoir chez moi. Merci aussi d'avoir été là pour moi. C'est à notre devoir pour nous enfants d'un même père. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous transmettre toujours cet amour qu'il a pour nous. Vraiment, j'ai traversé des moments difficiles et je ne voyais que ça comme l'unique sortie pour en finir. Mais grâce à toi, je viens de voir que Dieu est au-dessus de nos souffrances et que si nous les traversons avec lui, sûrement il y a toujours une heureuse fin. Tu sais mon frère, quand nous traversons le moment sombre dans notre vie, c'est le moment de nous laisser guider par la foi et non pas par nos sens, parce qu'ils nous font ressentir que l'horreur, le désespoir et l'amertume de la vie. Vraiment, que Dieu me prenne en pitié. N'oublie jamais ça mon ami, tu n'es pas seul dans les tribulations de la vie. Et toujours confiance dans le pouvoir infini du Dieu Tout-Puissant. Vraiment, je le reconnais, Dieu est un solide rocher, il ne peut être vaincu. Et oui, c'est pourquoi le prophète Isaïe nous dit que Dieu donne l'énergie aux faibles et amplifie l'espérance de celui qui est sans force. Vraiment, que notre Dieu se souvienne toujours de toi. Aujourd'hui tu m'as sauvé la vie, désormais Dieu est mon seul rempart. Amen. Ça me ferait plaisir de partager encore avec toi ces paroles qui vivifient. Ça me réjouira également. Alors au plaisir de nous revoir. Au revoir Jonathan, Dieu soit toujours avec toi. Et ne l'abandonne pas toi aussi. Qu'il te protège aussi et te garde toujours en ses voies.